Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Diablo 4 et notamment de la bêta de Diablo 4 qui va avoir lieu très prochainement, puisque ceux qui ont précommandé le jeu recevront un accès anticipé à la bêta ouverte du 17 au 19 mars 2023, c'est-à-dire demain, le week-end suivant. Du 24 au 26 mars, la bêta ouverte sera accessible à tous et à toutes. Donc du coup, on va tout de suite parler de ce qu'on sait sur Diablo 4 et des infos qu'on a, notamment par rapport aux précédents épisodes, que sont Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3. Alors on a plusieurs sujets à aborder. Les dates de sortie, comme vous le savez, c'est prévu le 6 juin 2023. Le style de jeu, la monétisation, également l'ambiance générale du jeu. Est-ce que finalement ce jeu va être un MMORPG ou un hack and slash assez classique? Mais écoutez, on va le découvrir tout de suite dans cette vidéo où je vais tout vous expliquer, tout ce que j'ai pu glaner comme information. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de Diablo 4, comme il y a eu énormément de Diablo 3 dans le passé. Donc on se tient prêt chez Pasto Play à rentrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Alors par rapport au monde de Diablo 4, eh bien, comme dans les titres précédents, l'aventure va se dérouler dans le sanctuaire, un monde médiéval fantastique qu'on connaît bien. Mais pour la première fois, c'est ça qu'il faut noter, le monde se présentera sous la forme d'un véritable open world, sous une forme bien définie. Et il ne sera pas généré aléatoirement à chaque partie. Donc on nous promet un monde 10 à 20 fois plus large et plus grand que celui des autres Diablo. Donc ça va être complètement fou les amis. Il y a chaque région qui va comprendre différentes sections, comme les camps, les villages, une partie liée à l'histoire. Il y aura également des zones PVP pour également croiser d'autres joueurs dans le monde. Même si ça ne doit pas être très fréquent, à moins d'être groupé pour éviter de nuire à l'expérience du jeu. On va surtout les croiser, ces autres joueurs, dans des zones dédiées aux activités de groupe, comme celle de l'apparition d'un world boss ou en ville. Il y aura également des zones PVP où on pourra choisir de se confronter aux autres joueurs. Hein, si on a plutôt envie de rester PvE, ça sera bien évidemment possible. Le monde va aussi être sujet à un cycle jour-nuit ainsi qu'à une météo dynamique, hein, comme dans Zelda Breath of the Wild. Donc ça va affecter les monstres, le joueur, l'environnement. Et il y a certaines compétences, comme celle du druide notamment, qui vont permettre d'influer sur la météo. Donc l'exploration du monde, comme vous le savez, pourra être faite par monture pour accélérer les déplacements, comme dans un bon MMORPG. Qui se respecte, mais également pourra se faire à pied. Il y aura à l'intérieur de très nombreux donjons qui sera à chaque fois une zone distincte du monde. Leur configuration, comme les failles dans Diablo 3, sera aléatoire et le monde va aussi disposer d'un système de phasing comme dans World of Warcraft. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on réalise une étape de la quête principale, le jeu va s'assurer qu'on est seul dans la zone. Donc on ne pourra pas avoir d'autres joueurs ni interagir avec eux et inversement. Les surpopulations de gêneurs ne devraient pas gêner votre progression. Pour les régions, puisqu'on parle encore de la map au lancement, il y aura 5 régions distinctes qui ont la particularité d'être côte à côte, ce qui va permettre en fait d'avoir une unicité, une unification de l'open world. Donc on a les cimes fracturées qui seront un peu le monde des moines. Ensuite on a une zone qui s'appelle Skull's Glen, qui est une zone aussi verdoyante que mortelle, donc c'est le monde des druides. On aura aussi les steppes arides. Steppes arides. Qui est le monde des barbares. On a aussi Kekjistan, qui va être un monde avec des civilisations en ruine et des sables du désert. Donc ça, c'est un monde qui s'annonce bien mystérieux. Puis on aura également un marais plein de poisons, de maladies et de désespoir, qui va être un peu la zone des sorcières. Alors évidemment, Sanctuaire est un monde plein de dangers et d'activités. Il y aura des événements à plus grande échelle qui vont se produire régulièrement, hein, comme ça peut être des attaques de noyés sur la zone côtière, ou l'apparition d'un énorme world boss avec un avertissement, donc là où il faudra se réunir à plusieurs joueurs, plus de 9 pour les affronter. Il y aura aussi des événements PVP dans les zones dédiées, comme les champs de la haine. Et ça va vraiment plaire à tous les gens qui sont habitués au PVP. Il y aura également un système d'hôtels avec des hôtels de cupidité qui feront en sorte de renforcer l'or droppé par les ennemis. Il y aura un hôtel mortel qui fera que tous les coups que vous portez deviendront critiques. Il y aura un hôtel vampirique également, hein, c'est ce qu'on sait, notamment avec un heal par coup qui va être possible. Pour se déplacer, il y aura également des points de passage, hein, comme dans les autres Diablo, comme dans Diablo 3 notamment. Alors ensuite, s'agissant des villes et villages, ce qu'il faut savoir, c'est que Diablo 4 va proposer 100 campements pacifiques pour le joueur. La taille est variable, donc ça peut être un minuscule hameau, un village,
un lieu-dit ou une grande ville qui vont servir de rassemblement et de hub social pour les joueurs, un peu comme Hurlevent. Donc pas mal de similitudes avec les MMORPG en même temps. La volonté de Blizzard, bien sûr, c'est de dépasser ce qu'a apporté Diablo 3 et ce qu'ont apporté Diablo 1 et 2 au genre, parce qu'effectivement, il faut que le genre évolue. Blizzard est dans l'obligation de se renouveler. Il y aura aussi, bien sûr, des forteresses. Alors les forteresses, le principe, c'est qu'en vérité, ces lieux-là, ils seront occupés par les ennemis et qu'il faudra d'abord laver les lieux, les nettoyer avant que le lieu devienne un lieu sûr où il y aura des PNJ qui apparaîtront comme des marchands, des personnages, des quêtes et autres. Donc l'état des forteresses va être individualisé via le phasing, hein, ça veut dire que vous pourrez aller la nettoyer vous-même ou avec un groupe et ainsi libérer les PNJ, les quêtes et les shops qui vont s'y trouver. Le leveling up, bah écoutez, le niveau maximum ça ira jusqu'au niveau 100. Il y aura un arbre de compétences, il y aura également les fameux parangons que vous connaissez. Et puis s'agissant de la campagne, elle durera environ 35 heures. Hein. Ça sera pas une aventure linéaire. Il y aura possibilité évidemment de faire plein de détours et plein de quêtes annexes. En tout cas, voilà les amis, voilà pour l'open world de Diablo. Voilà ce qu'on sait vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans les différents détails des objets, hein, si ce n'est qu'évidemment il y aura plusieurs catégorisations d'objets comme dans tous les Diablo, avec bien sûr les objets normaux, les objets communs, les objets épiques, les objets légendaires qui vont pouvoir vous équiper. Il y aura également tout un système de runes, il y aura aussi du craft, de l'artisanat qui va vous permettre de fabriquer des objets légendaires. Bref, on a hâte d'y être et de poncer ce jeu. Bien évidemment, on sera présent sur la bêta technique qui va s'ouvrir, puisque bien évidemment les accès seront faits. Donc il y a plein de vidéos qui vont popper sur la chaîne, plein de commentaires. Et voilà, bah, on profitera de l'expérience accumulée sur Diablo 3 pour vous présenter des vidéos de qualité explicative et évidemment vous dépanner et vous donner des bons conseils et tutos pour bien démarrer l'aventure Diablo 4. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !